Puisses-tu reposer en paix, mon ami. C'était un homme d'honneur et il t'a suivi dans la vallée. Tu aurais dû le protéger. Au lieu de cela, voilà que tu t'enfuis. Je n'ai pas le choix, maître nain. Tu n'as pas l'impression que tu as comme une dette envers lui et envers les siens. Il laisse une veuve et des orphelins. Ne penses-tu pas qu'il mérite d'être vengé? Mais où vas-tu? Reviens ici! Et que je ne recroise jamais ta route, traître d'elfe! Tu es un lâche! Et voilà que je m'en vais sans me retourner. Le nain a-t-il raison? Je galope peut-être en avant pour fuir ce que je laisse derrière moi. Je suis peut-être fatigué ou... je ne sais pas. Je fais ce qui doit être fait. J'obéis aux ordres que l'on me donne, sans poser de questions. Ai-je tort? Les choses ne sont peut-être pas si simples. Je crains que le souvenir que je laisse derrière moi ait un goût un peu amer pour ceux qui m'ont aidé. Valanor et moi devrions avoir quelques explications. Je suis de retour, Seigneur Astari. Sois le bienvenu à Karaz Valanor, mon enfant. Tu dois être bien fatigué. Va te reposer, nous parlerons plus tard. Avec votre permission, j'aurai quelques questions urgentes. Je devine qu'elles concernent Ardeleg. Je savais que ce jour viendrait tôt ou tard. Suis-moi. Marchons un peu, toi et moi, dans les jardins. Ici, ce sera parfait. L'histoire que je vais te raconter est ancienne. Plus ancienne que moi. Elle se passe au premier âge, aux alentours de l'anneau de Melian et de la magnifique cité de Doriath. Peu de temps avant sa chute, mon ancêtre, Etel Valanor, était l'un des protecteurs les plus en vue de la cité. Sans relâche aucune, il combattait l'ennemi. Mais il parvenait à sauver quelques temps pour aller voir sa belle. Car oui, tout ceci a commencé par une histoire d'amour. Elle comptait parmi les plus magnifiques elfes de Doriath, et mon ancêtre était éperdument amoureux. Ce jour-là, peu de temps avant la chute de la cité, il avait résolu de lui demander enfin sa main. Mais il savait les jours sombres à venir et craignait un refus. Pourtant, la belle Ardeleg lui dit oui. Et ce fut sans doute là le plus beau jour de sa vie, du moins je le pense. Ils choisirent ce jour-là de fêter l'événement,
s'aventurèrent dans les jardins autour de Doriath, hors de l'anneau de Melian. Tragique erreur. Des envoyés de Morgoth attendaient, cachés aux abords de la cité. Et l'occasion leur parut bien trop belle. Mon ancêtre, Etel Valanor, était un brave combattant, mais le jour de sa demande en mariage, il ne portait pas d'armes sur lui. Il tenta bien de se battre, et fut capturé, pour être ramené à Angband, enchaîné au pied du terrible Morgoth. Quand Arvelei s'éveilla, elle était désespérément seule. Son cheval avait fui non loin de là et l'attendait. Elle put ainsi revenir à Doriath. L'écuyer d'Etel Valanor les recherchait ayant entendu les bruits de combat, et il trouva la promise de son seigneur en larmes. Elle lui conta leurs mésaventures, et le supplia de partir à la recherche de celui qu'elle devait épouser, sachant parfaitement qu'il n'avait aucune chance. Mais il n'était pas dit qu'elle ne ferait rien. Arvelei avait une idée en tête. Une idée terrible, aussi impensable que courageuse. Une idée qui allait nous coûter très cher.